Waouh. Break. Bon, je suis pas sûr du coup. J'ai pas encore testé. Quatorze kilomètres, 33-01 Rémi. Break pour Rémi. S'il me répond pas, ce sera peut-être parce que je suis... Break pour Dindy 33. J'attends une réaction de sa part, quelle qu'elle soit. Et si je me fais jeter, c'est que là je suis trop décalé. Break pour Dindy 33. Bon, si ça passe pas, je brancherai l'autre dessus. Degrés de la nuit. Break pour Dindy 33, 14 km, 33-01. Attention, 9 bravo Charlie 555, 9 bravo Charlie 555 pour 14 km, 33-01 Rémi, Dindy 33 qui te lance appel depuis le sud-ouest de France, département de la Gironde. Attention Gilles pour Rémi. Je dois être complètement à côté de la plaque au niveau fréquence. Dites, hey, je sais plus combien il marche. Alors, ça c'est 615. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3,
1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah non, je suis au-dessus là. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, ok. D'accord. Là, là, ok. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok. D'accord. Alors, sur les 40 canaux, je suis en dessous. Sur les canaux supérieurs, je suis juste là. Eh bien, il n'y a pas grand-chose comme décalage. Oh, ça doit passer. Alors, si je me mets sur la fréquence, ça me fait... Ah ben, ça me fait une... Ah, oula, ouais, non, quand même. Si, ça fait beaucoup de décalage. Hein. Break 9, bravo Charlie 555 pour 14 km, 33,01. Bon, ça c'est fait. Désolé Gilles, c'est Rémi. 14 km, 33,01 Rémi, Dundee 33, je suis avec la base Stalker de 20. Ok, je vais basculer sur l'autre poste. Break pour Rémi. Oui. Oui, Michel. Moi, je suis dans les Laurentides. Dans les Laurentides, dans le village de Pointe-Calumet. De Pointe-Calumet, non trop loin de la ville de Montréal. Environ 30 km ouest de la ville de Montréal. Et pour le prénom, j'en viens ici, c'est Gilles. Tu sais? Break 14 km 33,01. Oups. Cluster DX. Ouais, Cluster DX. Ah zut, vu que c'est pris à l'arrache, j'aurais pu brancher le web SDR du côté de Montréal. Il doit passer dessus, c'est sûr et certain. Bon, ça sera pour une autre fois. Sur la précédente saison, comme ça... J'avais j'avais deux haut-parleurs, un à droite, un à gauche, celui à de gauche sur le web SDR du côté de Montréal, pour pouvoir entendre les autres stations qui lui parlent derrière.
break. Il est perdu là. Dundee 33. Kilomètres 33-01. C'est qu'il est un petit peu haut. Oui. 'Vu que maintenant c'est parti à passer sur la France, ouais, je vais pouvoir faire un truc mieux que ça, comme l'année dernière. Puis en plus là, je viens de rentrer au QRA, je viens de venir faire une petite course, j'ai pas le temps d'allumer l'autre ordinateur. Et je pourrais même... Ouais. Les 73-51 frangins de 14 km, 33-01 Rémi. Voilà, Dundee 33 sur le département de la Gironde à côté de Saint-Émilion. Et c'est moi tout à l'heure, la station décalée, j'étais sur la Stalker 20. Oui, mais bon, avec le monde qu'il y a sur la fréquence, c'est que tu es une célébrité, hein, donc tout le monde accourt à tes pieds, c'est bien normal que tu restes sur la fréquence. Donc là, je suis passé de la Stalker 20 au Yazoo, au décamétrique. Là, de suite, je suis sur le décamétrique. Sur la Stalker 20, je peux pas me recaler en fréquence, il faudra que je la fasse régler pour ça. J'ai juste à la décaler sur la réception et
Ah ben, la base, c'est aussi bien en émission qu'en réception, hein, qu'elle est décalée. Hein. Puisque là, je suis en train de regarder le clarifieur. Alors, sur la base, le clarifieur est à, on va dire, entre 9h et 10h. Donc, même la réception est décalée. Non mais de toute façon je connais quelqu'un, un vrai pro à ce niveau-là, qui n'hésitera pas à me. Puis en plus quand il verra la base, il va craquer. Il n'hésitera pas à me la faire régler comme il faut et à me régler tout ça comme il faut. Il n'y a pas de souci. Ok, je vais te laisser dans ces cas-là en QSO avec les autres stations. J'ai déjà une première vidéo à travailler tout à l'heure sur la route. Là, je vais en avoir une seconde également, ou alors je vais la coller à suivre. Ouais. Je suis en train de regarder le compteur. Je vois 10 minutes et quelques là que j'ai commencé la vidéo là au QRA. Ah ben non, j'en ai une autre avant ça aussi. Ah chi ! Bon, bref, j'ai du travail de toute façon de mon côté. Je vais te laisser. J'ai l'XYL qui vient d'arriver, qui t'envoie les 88. Je vais aller prendre un petit cappuccino, là, vu l'heure. Eh oui, il est 4h05 ici, 16h05 ici, il est. Donc, je te dis à plus tard, Gilles. Oh que oui monsieur, oh que oui, je reste derrière. Je vais pas laisser tourner la caméra en permanence, non quand même pas. Mais là je suis derrière, je vais essayer de tout faire en même temps. Alors là ça promet des conneries quoi, si je fais tout en même temps. Je suis pas multitâche, hachi. 73 51 212 si la propagne ne retombe pas d'ici là, sinon à tout à l'heure. Les QSO journaliers sont repartis. Là, le top départ est donné. Bon, vu qu'il vient de m'appeler. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est là ! Il est là ! 14, bravo golf, 46, 2 Son poste, il a l'air de bouger un petit peu. Dire que j'étais en train de commencer à travailler les vidéos de l'autre côté. Ah,
Bon. À la vôtre. Non, on voit pas. Rossi. Oh, c'est bon ça. Oui. Bon alors, la météo de ton côté, j'ai entendu ça tout à l'heure. Bon, la moto va peut-être falloir la sortir un petit peu. Je dis ça, putain, mais moi c'est pareil, hein. De mon côté, là, je n'ai pas trop profité, là, pour le coup, cet été. Hein. J'étais en train de dire, mais qu'est-ce que tu fous là? Tu devrais être sur la moto, en train de profiter du beau temps. Ah, chie trois coups. Eh bien, merci d'être avec nous. C'est vrai que là, ça y est, je crois que ce coup-ci, le tas de départ est donné pour les QSO journaliers. Oh oui, monsieur, oh oui. Oui, monsieur. Bon, hé, il va falloir que tu t'y mettes à Cluster DX, hein. Parce que là, je sais pas, mais tu dois être rendu à 10 km de station à mettre dessus et envoyer les QSL électroniques. Ah ça. Ok, d'accord. Bon, hey, pour que tu me parles aussi longtemps comme ça, ça s'est calmé, hein. Je plaisante, hein. Et là, du coup, j'ai pas eu le temps de brancher l'autre ordinateur. Voilà, c'était pour dire ça comme connerie. J'ai pas eu le temps de brancher l'autre ordinateur à côté et d'écouter là sur le WebSDR là de Montréal pour voir ce que ça donnait de ton côté. Hachi, ça fait beaucoup de côtés, ça. Et du coup, là, je sais pas comment, quelle activité il y a de ton côté. Ça arrive à foison. T'as du monde de partout. Là, ça s'est un peu calmé. Oh oui, monsieur, ça promet. Et vu comment... Attends, je suis en train de chercher une connerie à dire. Je relâche le micro, je réfléchis. Alors je verrai ça sur ses vidéos. Mais je suis étonné qu'il ait ce léger décalage. Peut-être qu'il n'a pas fait attention. Hein. Ou alors c'est le poste qui est peut-être maintenant bien chaud chez lui. Bon, de toute façon, là, ça, c'est que des miettes. Hein. Celui qui chipote là-dessus, quand même, là, qui se remette un petit peu en question, ça vaut pas le coup. Oh, j'ai posé ma rampe lumineuse dessus, comme ça, à l'arrache. Je la calerai bien en dessous, comme j'avais fait pendant un temps. Mais avec le poids du poste... Bon, c'est pas grave.
peux bien le rehausser. J'ai ça. Alors oui, pour ceux qui connaissent, c'est bien ce que vous pensez. Un branchement multibroche, une prise multibroche. Et je me sers de ça pour rehausser le poste. Mais là, ça fait un petit peu... ça fait un peu haut, là, quand même, avec la base en dessous. Pas du mien. Enfin si, ça a chuté, mais ça passe toujours. Ah, il est où? Il est où? Il est où? Au fait, oh bah c'est, j'ai bouffé son prénom. Eh ben tant pis. Je sais ce qui manque. Ah, zut. Ça peut le faire. Là, il vous salue, il vous incite à prendre le micro. Alors, sur la base en dessous, micro d'origine, Stalker, et sur le décamétrique, un bon vieux micro CB. Puisqu'il a occupé Gilles de son côté. Voici l'intérieur. Whisky, 125 bouteilles. Il va être bourré avec ça. Bon, il faut que je me mette au travail. Il y a des vidéos à travailler. Bon, là, j'en ai une à travailler. Ce coup-ci, installation du logiciel Vidéopad sur le nouveau PC. On va voir ce que ça donne. Nouvelle configuration. Donc j'ai une chance de ne pas retrouver les flashs verts. Non, pas ceux-là. Les flashs verts qu'on voit dans la précédente vidéo, là où j'ai fait la démonstration de la Stalker 20. Quelle horreur. Pas la Stalker 20, mais ces flashs verts. Là, on va bien voir ce que ça donne.
le plus au jour de l'année des talents, Alors là, pour le coup, pour protéger la base, j'ai mis le tapis de sirop en dessous. Parce que là, la prise, voilà. Ça, pour faire Pierre Ponce sur le chrome, il n'y a rien de tel. Oh oh. C'est ça. La pompe est en train de changer. C'est pas la Russie, hein? Je sais pas. Pays de l'Est, en tout cas, vu l'accent. Bon, je sais qu'il y a des spécialistes qui sauront me dire ça. J'en connais un du côté de la Belgique. Hein, mon ami belge, tu pourras me dire ce que c'est. Bon, qu'est-ce que t'as commandé pour Noël, Gilles? Eh, c'est bientôt. Ça va passer vite. Bon, trêve de conneries. Alors, comme l'année dernière, première semaine de janvier, eh bien, ça va être la grande fête du côté des 40 canaux tout mode. Hein, pour l'homologation des 40 canaux qui s'est faite début janvier 83. Donc là, ce sera les 41 ans. Voilà. L'annonce est passée partout. Vous pouvez la retrouver sur la planète Sibi francophone. Voilà, sur le forum. Alors, la propague nous dit au revoir là maintenant, un peu, mais si ça se trouve, c'est pour mieux revenir tout à l'heure. Il est où? Pour monter comme ça, c'est la fonction modulomètre. Alors, le problème de taux, c'est que... Ça fait le yo-yo. Oui. Là, j'ai plus de taux, c'est nickel. Donc, l'hiver dernier, j'ai eu un souci à l'antenne. Je fonctionnais constamment sur la boîte d'accord, ce qui n'était pas forcément bon pour le rayonnement de l'antenne.
Ben, c'était tout simplement la PL de l'antenne qui était desserrée. Bon, j'étais faire le singe là-haut, le long du tube, où est-ce que je suis allé installer sur du mat de télé à 9 mètres de haut. Et pour constater que c'était juste la PL qui était desserrée. Bon là, j'ai une fois bloqué à la main, un petit coup de pince. Le seul et l'unique. Imaginez autant d'OM comme lui sur tous les canaux. Wow. Oh oui, monsieur. Bon, comment je vais me débrouiller? Oui, ouais, ah si, on voit. J'ai le pied de la caméra qui est là. Il est fixé sur deux molettes sur le côté. Parce que ce poste, il peut être mis en mobile. Hein. Et là, je suis pas à la bonne place. Bon, ok. Non. Qu'est-ce que je veux? Voilà ce que je veux. Oh, vu le signal. Là, la propague, elle est là. Là, il y a un dégagement de puissance, là. Oh oui. Là, c'est le Big Ball. Là, ici, sur ce canal. Canal 6. Oui. Il y en a qui sont en train de s'amuser avec de la puissance. Qu'est-ce que je fais?
je crois que c'est là qu'il est le mieux. Là, il y a l'escargot qui rentre dans sa coquille. Alors, l'année dernière, c'est resté assez doux malgré tout là-bas. Sur le précédent cycle de Propag, quand on se parlait, ouais, ils allaient justement, je me souviens d'une cabane qu'ils avaient mis sur un lac glacé. Posé carrément sur un lac glacé pour aller à la pêche. Hein. Et ils avaient branché une station dedans. Alors là, c'était dans les environs de Gatineau à ce moment-là. ...58 de mon côté. T'as voulu faire une EQSL. Oui. Donc 58, ok. Alors pour la question des EQSL, eh bien cluster DX, hein, c'est point com je crois. Bon bref, cluster DX, et puis de toute façon on tombe dessus. Bon, faut que je me décide. Là. Si je redémarre la caméra à nouveau, c'est que j'aurai à nouveau craqué. Putain, je vais déménager là-bas. Non, non, il fait froid l'hiver. J'ai craqué. Oui, je suis toujours là. Oui, je suis toujours là. Oui, monsieur. Bon, ça fait le yo-yo hein, au niveau Propag. Ça fait le yo-yo, mais ça passe toujours. Ah, pourtant, j'ai rien bu. Là, je dois parler correctement. Hachi.
Oh, c'est en train de partir. Là, c'est plus qu'une coupe de station. Là, c'est carrément un conteneur de station. Oh oui, Santiago 3, 2, 3 de mon côté. Ça devient QRP. Alors ici, là, sur la 14, il est 17h15. Bon, ça passe encore, hein. Ça passe encore, mais bon, le meilleur est à venir de toute façon. Voyez un peu sans le filtre DSP. On se croirait en FM. Hachi. Oh, Santiago 2, là, t'es dans les QRM, là, de mon côté. J'ai pas grand-chose comme QRM ici au QRA, là, Santiago 2, là, sur cette fréquence. Mais là, t'es parti. Si tu m'entends encore, les 73-51 Gilles. Et, de toute façon, à tout à l'heure pour le reste. Pour les vidéos. Ah oui, tiens, faut que je regarde le serveur. Je crois que j'ai fait une bêtise au niveau du serveur. Il va falloir que j'aille voir ça. Hachi! Je t'entends trop QRP là de mon côté là. Ah bah ça va. Ça doit être... Ok. C'est bon, pour les serveurs, ça refonctionne. J'ai fait... je montre vite fait. Hein. Il y a une micro-coupure là tout à l'heure. Et comme j'ai pas de... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Pour prendre en charge quand il y a une coupure du courant. Bon, bref. Lui, c'est de la coupée nette. Bon, je lui ai fait un redémarrage derrière. Bon ben Gilles, je sais pas si tu m'entends là de ton côté, mais là, la seconde, c'est parti. Là, tu nous as dit au revoir. Enfin, pour ma part, sur la Gironde. Les 73-51 Gilles, et à plus tard. Et il est derrière. Ah ouais. Ah là, c'est de la devinette là. Ah. SSTV. Sous Windows, je sais plus comment s'appelle le logiciel, mais sous Linux, c'est QSSTV. Alors le mieux, c'est d'avoir une interface pour brancher directement sur le PC. Parce que là, pour ma part, avec QSSTV, je fonctionne via de haut-parleur à micro. Et ah, c'est sûr qu'au niveau qualité-réception, là, on est dans le... Enfin bref. Artisanal. Ça fait plus poli de dire ça comme ça. Bravo 7-5.
crois qu'il y a deux QSO. Hein. Ouais, c'est ça. On peut en déduire que lui, il est sur le Colorado, alors. Ça passe bien. Pour ceux qui découvrent la radio, vraiment ceux qui découvrent la radio, là, c'est de la liaison directe hein, qui fonctionne grâce à l'activité solaire. C'est-à-dire les éruptions avec les éjections de plasma. Oui, je crois que c'est ça. J'ai l'impression de dire une connerie. Et c'est ce qui nous déclenche des poussées de propagation. Qui est différent du cycle de solaire, du cycle solaire de 11 ans. Waouh! Fréquence moniteur du groupe Kilomec. Soit je les entends pas, soit ils sont tous en sup. Ici. Il y a des OM du sud-ouest, les Landes, tous ces coins-là, là, tout le quart sud-ouest, qui sont là en je sais pas, cette heure-ci, peut-être, oui. Ou tout à l'heure, je sais pas. Qui sont en QSO journalier, là, ici. À du monde sur le canal de la route, canal 19. Alors pour les grognons, pour les pas contents de la vie, oui, c'est un canal d'appel, mais canal de la route. Donc, du moment que ce soit dans le respect des appels, ceci, cela, c'est plus pratique pour ceux qui sont sur la route de malgré tout laisser rester dessus, tout en laissant des blancs pour que tout le monde puisse lancer des appels. Bon, c'est une histoire de compromis, tout ça. Mais avant tout, dans le respect de ceux qui lancent des appels. Ça peut, je sais que certains, ça va leur hérisser les cheveux sur la tête. Mais mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui est au volant. Il a les yeux sur la route. Hein. Forcément. Donc faire des QSY au moment même où, par exemple, y a une connerie qui arrive, ça ne le fait pas. Quoi. Donc on pourrait même dire que qu'il est question de sécurité routière en ne changeant, en ne faisant pas QSY. 085, c'est qui ça? Quel 11? Ah bah tiens. Je sais plus si c'est en... Non, je crois que ça... Eh bien, là, il y a une station de radio américaine, côte ouest. Oui, je crois que c'est de ce côté-là, qui fait ses émissions de radio avec direct sur YouTube. C'est CB Old School, oh, je sais plus, quelque chose comme ça. Et ses auditeurs lui répondent via la CB. C'est cool comme système. Donc, il fait ses émissions de radio, je sais pas sur quelle fréquence c'est transmis, mais bon, bref, il y a un direct qui est fait sur YouTube, et les auditeurs lui répondent par là. J'aime bien le concept, j'aime bien le principe. Ça fait, c'est plus convivial que d'être isolé là au téléphone. Ah, je suis à chaque fois attiré vers ce canal, le canal 6. Big Bull! Hey, boy, Mom, Roger Dangerfield is trying to tell you this for years.
Roger, you done what you do for years. No respect. No respect. That's the problem with these young kids. They don't respect their parents. They ain't brought up with no respect. That's what's going on. Ah, qu'est-ce que j'aimerais bien comprendre ce qu'ils disent. They all went out the door when they took all the religion out of the school. Bon, voyons si ça repasse un peu là-haut. S'il est là, il va réagir. Zut, je me trompe de micro. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Oh, il est plus là. Oh, c'est de vue d'heure, faut que je me décide. J'arrive pas à lâcher le micro, à lâcher la station. Pour basculer d'un poste à l'autre, c'est un petit peu chiant à chaque fois, il faut que j'aille chercher le câble derrière, que je dévisse pour le brancher sur l'autre. Mais je préfère être sur la base quand même que le DK. C'est plus fun sur la base. Ouais, faut que vraiment que là je fasse régler ce décalage en fréquence. Ouais. Ouais, je préfère largement être sur la base. Sur un poste comme ça, c'est presque trop facile. Moins intéressant du coup. Wow. Bon allez, ce coup-ci on coupe. Mais vraiment. Tiens, mieux que ça. Voilà. Les 73 à tous.